c'est une place, quand elle est nue, c'est vraiment triste. Mais là, au moins, c'est plus gai, ça fait de l'animation. C'est confortable, c'est des petits parasols, des petits sièges, on peut s'asseoir, il y a des petits jeux, c'est sympa. Ouais. C'est trop bien parce qu'il y a plein d'activités, puis on peut faire plein de choses différentes et bah du coup moi je trouve ça bien. Ça redynamise un peu le centre, et puis avec ce temps-là en plus c'est super quoi. Je trouve que c'est une vraie réussite, c'est attractif. Alors on a le manège qui va évidemment plaire aux enfants, mais aussi aux parents et grands-parents qui les accompagnent. Alors je rappelle que ce manège désormais est pérenne, c'est-à-dire que là c'est un manège en location pour être précis. Nous sommes en train d'en acheter un, donc il restera un manège Place Travaux, gratuit. Accès gratuit tout le temps. Et puis, il y aura toutes ces animations. On a des fauteuils, des transats avec les parasols pour que les Choletais qui ont envie de se détendre, passer un petit moment sympa dans le centre-ville, puissent venir bouquiner, discuter, boire un verre. Ils peuvent aller chercher un verre ou un café dans un établissement autour de la place et puis le prendre tranquillement, de manière détendue, dans ces endroits que nous avons créés. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'au-delà du jour d'ouverture, nous puissions avoir cette vie nouvelle et plus dynamique ici, au cœur de la ville et particulièrement autour de la Place Travaux qui est vraiment le cœur du cœur, si je puis dire.